Ça c'est vrai. Ouais. Parce que là-bas, là, hein? Les gens nous ont remarqué. Ouais. Avec les petites filles là. Moi, je suis même pas ce comportement là. Et puis, tu vois, c'était des petites filles du quartier. C'est parce que, bon, tu vois, non? Maintenant, je pense que on doit changer. On doit changer. Bon, on va maintenant sur les grandes calibres, femmes. Les calibres 25. 22. 25. Donc, 20... tu veux pas reviens, viens. 25. Calibre 25. Ouais, calibre 25. Voilà, voilà. C'est le top. Bon, les grandes femmes, voilà. Tu vois, elles travaillent, ouais. Elles sont en même temps secrétaires des patrons et tout ça. Alors, c'est comme ça. Tu as une en vue déjà? Hein? Tu as déjà une en vue? Non, et toi? Ah, mon frère, moi j'ai une en vue, mais c'est une fraîchinée. Hein. Alors, moi je n'ai rien à foutre à la vieille. Mais fraîche là. Donc, voilà. Non, on ne peut pas laisser tomber. On ne peut pas laisser tomber. Toi, tu laisses tomber. C'est à moi du même de laisser tomber. Comment? Et ta vieille là, la vieille dont tu m'avais parlé. Ah, la vieille. Ouais. Je suis toujours déçu. Je sais que ça va marcher. Tu y tiens mais... encore. Ah, toi aussi, tu penses que je peux laisser ça? Maintenant là, on a assez donné d'argent. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Ouais, il faut que évoluer. Ce soit les femmes maintenant qui nous en donnent. Oh, est-ce que tu vois? Ouais, demain. Voilà, c'est comme ça. Quel autre qui est d'une acabou ça. Depuis là, elle est avec tout. Toi, je vais te renvoyer. Je vais te renvoyer. Ah, tu es devenu patron ici. Ah, ouais. J'oublie que le vrai patron n'est pas là. Tu sais, quand le vrai patron n'est pas là, c'est moi qui commande. Voilà. Est-ce que les enfants ils sont partis à l'école? Tous partis à l'école, mais ils sont enrhumés. Tu sais, du 1er au 31. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est qui? Quand même, tu ne faut pas être agressif. Je te dis qu'il pleut. Non, je n'ai pas. Les enfants sont enrhumés, tu m'agresses. Non, toi tu es toujours comme ça. Tu prends la parole. Le... Oh, passe à la pharmacie ce soir, tu lui amènes des médicaments. Ils ont besoin de ce soir. Ils sont tous enrhumés. Ah, le vieux! Hé! Ouais! Voyez le frère! Comment que ça va? Ben Dieu, merci. Mais qu'est-ce qui t'amène ce matin-là? Oh. Quel bon vent! Ben dis donc! Mais tu grandis quoi? Ah! C'est comme ça la vie. Tu connais la vie? Ouais, il est venu plusieurs fois ici. Ah bon? Ouais, ah, ben voilà, c'est là que j'ai parlé l'autre jour. Ouais. Voilà, j'ai dit que je vais lui donner un lacinet. Il va régler le problème de lacinet là. Bon, ben je partais moi-même au travail. Oui. Et puis je suis passé par là pour te dire bonjour. Ah, ben bon, si. En fait, pour le problème de ton enfant là. L'assaut. Voilà, il n'y a plus de problème. Ah. Oui, parce que moi-même, on m'a nommé conseiller d'ambassade. Conseiller. Mais dis donc. C'est bien ça. Tu vas être en retard, il faut faire attention. Oui, oui, bon. D'accord. Donc, les visas, tout ça, bon, pour moi, maintenant, c'est en 45 minutes que je règle tout ça. Parce que je suis conseiller de l'ambassade, je m'occupe des affaires culturelles, économiques. Tu vois, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, le problème, il monte tout le jour, quoi. Bon, allez, on va aller au travail. Bon. N'oublie pas les médicaments des enfants. Non, je n'ai pas de problème. Ah, la sauce. Bravo, il va devenir quelqu'un. Au lieu de prendre son parapluie, ça, il va être mouillé sur la route. Oui, non. Comment ça va? Ça va. Ben, tout à l'heure, c'est toi que je venais voir. Ah bon? Oui, mais c'est parce que j'ai trouvé le vieux que, bon, j'ai rétracté, quoi. Maintenant, je suis revenu pour te voir. À quel sujet, s'il te plaît? Est-ce que tu sais que tu es une belle femme? Mais comme tout le monde, bien sûr. Vraiment, tu me plais. Tu me plais, je suis amoureux de toi. C'est pour ça que tu es revenu, tu n'es pas allé au travail? Non, je venais te dire ça. Hein, ce matin, c'est pour ça spécialement que je suis venu te voir. Tu sais, bon, je suis seul chez moi à la maison. Et puis, bon, j'ai un grand poste maintenant. Conseiller. Avec toutes les jeunes filles, là, moi j'ai des enfants, je suis mariée depuis 10 ans. Le problème c'est que je veux une femme d'expérience. J'ai 5 enfants, ils ont besoin de moi, mon mari a besoin de moi. C'est tout ça là qui me tente. Je veux une femme d'expérience. Tu dois aller au travail, tu viens, tu dis que tu m'aimes. Mais c'est quelle affaire ça? Non, le problème est plus sérieux que le travail. Non, je t'en prie. Déjà, je suis conseiller d'ambassade. Je t'en prie, moi je pense qu'il faut laisser tomber ça là. Faut pas revenir, c'est bon. Non, écoute. Va à ton travail, moi j'ai beaucoup à faire, les enfants vont revenir de l'école, ils vont manger.
Pardon. Vraiment, je suis une femme mariée, je ne veux pas que les enfants me voient, je veux pas que... Non, pardon. Non, le quartier est grand, les gens peuvent me voir. Non, pardon. Non, écoute, rien. Non, pardon, faut pousser, non. S'il te plaît. Pardon. Ouais, non, j'ai dit, faut m'écouter. Vraiment, fais un effort. Tu dis que tu m'aimes, c'est une bonne chose. Voilà, je te remercie pour ça. Je t'aime. Mais je ne peux pas tromper mon mari. Ça fait 10 ans, je n'ai jamais trompé mon mari. Non, est-ce que tu sais que c'est un problème d'amour? J'ai dit, je ne peux pas. Fais-moi. Non, je ne peux pas. Faut aller à ton travail, je ne peux pas. Non, mais c'est un problème d'amour. Je ne peux pas. Et puis l'amour qui est là, c'est comme une plaie. Il ne fait pas ça là. Les voisins, si quelqu'un rentre ici comme ça, ils vont dire ça vient, c'est qui moi, pardon. Il faut partir. Pardon, j'ai du travail. Non, mais ce matin, il n'y a personne ici. Voilà. Il faut partir. Pardon, je te demande pardon. Vraiment. À l'ambassade là-bas, c'est bien. Tu vas trouver beaucoup d'Américains. Tu vois, quelque part, tu te rends d'un bon coin. Tu peux trouver une bonne femme. Moi, je suis déjà âgée. J'ai des enfants. Non, pardon, il faut partir. Faut partir, pardon. Parce que si on te voit ici, c'est pour me créer des ennuis. Il y a des choses comme ça. Tu viens le matin, tu trouves mon mari, tu dis que tu m'aimes. Non, pardon. Non, je t'en prie. Non, pardon, faut pas me toucher comme ça. Si les gens te voient, faut partir. Te toucher simplement là. Mais moi, pardon, faut partir. Si on te voit, mais je suis. C'est pas bien, faut partir. C'est qu'elle a fait ça là. Elle a plein de filles comme ça qui très bas, qui te. Vraiment, c'est quoi ça? Manu, ah. Là, t'as dit d'arranger ça, tu as laissé comme ça. Dis-moi. Oui. Parce que moi, je t'appelle, faut répondre au moins. Toi aussi. Parfait, faut pas faire ça. Lève-toi pour travailler, non seulement tu viens en retard, mais tu prends une place encore pour t'asseoir. Tu peux pas recommencer ta paresse de la fois dernière là. Mais toi, tu peux pas comprendre combien de fois je suis découragé. Découragé? Tu es découragé encore? Mais la vie dont je te parlais là. Mais là, je ne comprends rien. C'est... Ah, là. Oui. Elle fait pas le poids. Comment elle fait pas le poids? C'est la première fois de ma vie qu'une femme ose me refuser. Une femme? Et de surcroît, une vieille caracasse comme ça, moi je lui parle et puis elle veut pas me comprendre. Elle me renvoie pète. Mais demain, tu es foutu. Toi-même, regarde, les métis même ne te résistent même pas. Les métis, les fraîches là, ceux qui viennent de l'Europe là, te résistent pas. C'est pas une vieille caracasse comme ça, tu vas te résister. Non. Celle-là comme ça là. Bon. Mais comment tu as pu échouer comme ça? C'est là. Ça me travaille. Hein. Mais ça ne peut pas ne pas te travailler. Tu as échoué, tu as préparé ton échec, mon frère. Mais moi, je ne peux pas la laisser tomber. Ah, mais comment tu vas faire? Tu vas repartir alors. Mon frère, prends ton courage à deux mains. Si tu tiens à elle vraiment, hein, regarde, si tu tiens à elle là, prends ton courage à deux mains et puis tu attaques. Contre-attaque. Elle a résisté. Femme, c'est femme. Hein. Elle a refusé au premier abord. Tu contre-attaques. Ça va mordre. Prends ton courage. Regarde, si tu es vraiment tourmenté à ce point là, hein, va te reposer. Va te reposer. Tu vas, tu dors normalement. Toi, tu fais une nouvelle tête. Et puis, tu contre-attaques. Vas-y, lève-toi. Un garçon ne désiste jamais. Vas-y. Ça, c'est mieux. Il faut allez, vas-y. Bon, contre-attaque ça. Je te fais confiance. Tu as tombé de voix encore plus grande que celle-là. C'est pas celle-là que tu peux te résister. Vas-y. Ouvrez. Vas-y. Manu, nous sommes dans la noire. Elle a donné rien. Ouais. Tu as gardé ça là-bas. Ouais. D'accord, si le patron vient, madame. Mais toute la semaine, il pleut. Ah! Quelle pluie! On est fatigué, les enfants habillés pour bien, vous allez avoir le riz. Sous cette pluie-là? Oui, ma chère. Allez-y dans la chambre. Assois-toi. Merci. J'espère que tu n'as pas une mauvaise nouvelle à me donner ce matin. De ton mari. Il est sorti. Tu sais, c'est la semaine, il est allé au travail. Tu n'as pas travaillé. Ben, j'ai reçu ce matin un télégramme. Un télégramme? Ma maman est décédée. Oh! Ta maman est décédée? Et c'est à l'ambassade là-bas qu'on t'a amené le télégramme? Oui, au boulot. Je l'ai reçu ce matin comme ça. Toi, elle était malade? Ben, je n'en sais rien. Si bien ce qui était là, elle est accompagnée. C'est la seule personne qui peut venir. Tu vas aller au village. Je dois partir ce soir, mais bon, tu sais, comme je suis seul à la maison, je voulais quand même quelqu'un pour m'aider à faire mes bagages.
Comme il n'est pas là, si tu peux vraiment m'aider à le faire. Mais je vais t'aider à faire tes bagages, il n'y a pas de problème. On va y aller, je vais t'aider. C'est un service, hein. Tiens le parapluie. Mais nous, ça, sinon, on va se mouiller. C'est pas vrai. Faites sa maman comme ça. Je vais faire ta valise parce qu'il ne faut pas rater le car. Assure-toi d'abord. Fais sa mère comme ça. Eh, bon Dieu. C'est bien celui qui était là, c'était bien. Vraiment. Mais ça fait rien. Donne-moi ton sable, je vais faire ta valise. Non, attends d'abord, faut t'asseoir. C'est pas. Enfin, c'est grave, mais. Vraiment. Mais si tu veux te déshabiller, peut-être je vais sortir. Non, ça fait rien. C'est rien, tout ça. Mais tu as des soeurs, non? Oui, elles sont toutes au village. Elles sont toutes au village. Et c'est toi qui organises les funérailles? Oui, je suis son seul fils, enfin garçon. Enfin, tu veux dire, tu es le, voilà, je suis le seul plus grand, quoi. Voilà. Eh, mon Dieu. Les autres travaillent. Je suis le seul à me débrouiller en ville. Mais heureusement que tu fais de grandes choses. Hein. Oui, vraiment. Sinon, comment tu allais faire? Donne-moi le sac, je vais faire ta valise. Non, attends d'abord. J'ai quelque chose à te dire. Quoi, qu'est-ce que tu as dit? Tu dois faire ta valise, tu as perdu ta main. Non, il ne faut pas faire ça là, c'est pas bien. Écoute, tu sais, quand tu as perdu quelqu'un comme ça, moi, je n'ai pas. C'est pas possible. Regarde-moi d'abord dans les yeux. Tu sais, c'est pas la première fois que je vais te dire ça. Tu me plais trop comme femme. Non, je ne peux pas. Je peux pas. Écoute. Non, non, tu as perdu quelqu'un, moi, je ne peux pas faire autrement. Oui, non, mais non, tu sais que je suis peinée actuellement. Non, et je voulais rester un peu si tu veux avec que toi. Je t'aide, il faut me donner, je vais faire ta valise. Non, je laisse tout pas, ça l'attendre. Oui, mais c'est pas pressé. Ça, j'ai jamais trompé. Ce qui est fait est déjà fait. Je n'ai jamais trompé mon mari. Ça fait des années qu'on est mariés. Je ne compte pas le faire. Avec les enfants que j'ai, non, je ne pourrais pas. Oh, écoute. Je peux pas, je t'en prie. Oui, non, écoute. Tu sais, quand je suis seul ici, je ne fais que penser à toi. Et puis quand je pense à toi, mes larmes coulent comme ça. Je sais que tu m'aimes, mais tu vois, tu dois avoir une autre femme, tu es jeune, tu dois avoir ta vie. Moi, je veux pas. Moi, ça me fait mal que tu sois avec ce vieux-là. Hein, tu es très fou. Non, vraiment, ça va, écoute. Non, écoute. Je t'en prie. Laisse-moi te toucher. Approche-toi. Non, tu as perdu ta maman, je ne peux pas. Comment je peux avoir le courage de faire des... Non, je ne peux pas. Écoute, approche-toi. Non, je n'ai jamais fait ces choses-là, je ne pourrais pas faire non, ça. Non, mais mets-toi à côté de moi quand même. Hein, mets-toi. Je t'en prie, arrête. Je vais te toucher un peu. Tu vois, laisse tomber ce vieux. Il n'est pas fait pour toi. Est-ce que tu peux? Hein? Reposons-nous un peu. Mais tu dois prendre le cas. Tu vois, c'est mieux. Tu vas, après, tu ne vas pas trouver de cas pour rentrer. Ouais. Tu sais, aujourd'hui c'est un grand jour. Moi je n'avais jamais trompé mon mari, mais ça fait 10 ans que nous sommes mariés, on a 5 enfants. C'est la première fois que ça m'arrive et puis avec toi. Mais pourquoi tu le trompes aujourd'hui? Parce que tu m'aimes, c'est tout. Parce que tu m'as dit que tu m'aimes et puis bon, quelque part, bon, je pense que bon, c'était bien. C'était bien. Voilà. Non, mais j'ai le temps, hein. Tu ne vas pas rentrer tout de suite, j'ai le temps, reste. Ouais, mais moi, je n'ai plus le temps. Mais reste un peu, je t'en prie, reste. Je n'ai plus le temps, j'ai un rendez-vous. Et puis, mon ami va arriver tout à l'heure. On doit aller voir quelqu'un. Ah bon? Ouais. Mais tu as couché avec moi, puis tu me laisses comme ça? Oh, faut t'habiller, tu vas aller chez toi. Hein. Mais pourquoi tu parles comme ça? Mais je n'ai pas le temps à perdre. Ah. J'ai d'autres chats à fouetter, là. Tu penses que moi, je suis là pour toi? Bon. C'est comme ça que tu me traites.
Habille-toi, tu vas aller chez toi. Et si je ne veux pas partir? Je dois aller à la douche quand même. Quelle douche? Parce que je dois aller faire ma toilette. Chez moi ici? Alors, tu vas coucher avec moi, puis tu veux que je rentre comme ça chez mon mari? Tu te fous des gens ou quoi? Pourquoi tu me parles comme ça aussi? Ah, prends tes bagages, je va chez toi. Je suis fait avoir, mais est-ce que tu es mal élevé? Moi, c'est très bien, c'est comme ça que je suis. Et puis, c'est dans la douche de qui tu veux te laver? Mais dans ta douche, c'est pas toi qui m'as sali. Ah, c'est toi qui payes l'eau ici? Hé, hey, qui est là? C'est moi. Tu es malhonnête. Ah, go! Ah, c'est ça? Viens voir, mon cher. Qu'est-ce que je vois là? Il y a beaucoup de désordre ici. Hey, c'est la vieille dont je te parlais là. C'est là? Ouais. Oh, attends, je vais voir ta figure. Monte ta figure là. Attends, oh, monte ta vieille figure là. Mais demain, mais tu me découvres, c'est ça là que tu as retrouvé. Ça là, comme ça là. Oh, toi tu peux pas rester à la maison pour regarder les enfants. Tu peux pas, tu n'as pas honte de sauter avec les enfants. Et puis elle ne peut pas aller chez elle. Va chez toi là-bas. Viens, carcasse. Je t'ai dit que j'ai un rendez-vous. Oh non, mais quand même, comment tu peux aller sur un truc comme ça? Ça c'est une vieillerie. Non, mais c'est pour, tu vois, agrémenter mon palmarès. Et puis tu te tourmentais la fin dernière, c'était à cause de ça là. Ouais, mais ça là. Non, c'est un problème de palmarès. Toi aussi, il faut comprendre. Oh, non, mais quand même. Est-ce que toi, tu es sorti déjà avec une femme comme ça? Il ne faut pas salir ton palmarès. Faut pas salir ton palmarès, justement. Ouais, bon, d'accord. Tu sais, Alphonsine nous attend. Et puis, c'est même pas intéressant. Alphonsine nous attend. Alphonsine. Elle avait Pierrette. Oh. Et puis, toi, parti. Bon, ça, partir. Tu t'es fatigué sur ça là pour rien. Ouais, mais pour ça. Pour rien. C'était pas inutile. Bon, hein. Fais vite, toi, parti. Je t'attends dehors. Hein. D'accord. Fais vite. Je m'habille et je te rejoins. Ok. Mais... Yas, qu'est-ce qui va pas? Oh, j'ai trop mal, tu ne peux pas comprendre combien de fois j'ai mal. C'est pas ça. Combien de fois j'ai masqué. Mais qu'est-ce que tu as? C'est un grippe ou bien quoi? Tu peux pas me comprendre, j'ai mal. Attends. J'ai déjà pris le comprimé. J'ai déjà pris, ça va. Ah bon? C'est que tu peux pas comprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui m'est arrivé est trop grave. Tu as pris déjà comprimé? Oui. Ou bien tu as. Non, certainement tu as dépassé la dose. Non, j'ai pris tout ce qu'il faut. Bon, d'accord. Les enfants, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas encore mangé. Oh, je n'ai pas la force. Bon, laisse. Moi, je vais m'en occuper de ça. Je vais préparer. Et je vais chauffer de l'eau pour que tu te laves en paix. Mais il ne faut pas te coucher là. Il faut aller dedans en ce moment. Non, ça va aller. Ah! Mais tu sais, il pleut. Oh. Ça peut. Bon, attendez, je vais te laver tout à l'heure. Bon, les enfants, allez-y dans la chambre là-bas et après, va vous faire manger. Aïe! Oh, mais ça va pas ça. Mais dis donc. Chérie. Je suis trop mal, c'est que tu ne peux pas comprendre combien de fois j'ai... Bon, lève-toi, on va partir dedans. Non, ça va. Lève-toi. Lève-toi. Doucement. Ça va aller. Non, doucement, marche doucement. Ça va aller. Doucement. Non, je vais prendre mon pain. Bon, attends, tu vas t'approcher avec moi. Non, ça va, je vais manger. Ça va aller, bon, d'accord. Ah, Dédé, ouais. Ça c'est une journée pénible, tu vraiment. Vois, vraiment. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est toi qui me diriges maintenant. Vraiment. Tu sais, quand moi je suis fatigué comme ça, j'ai horreur de bruit. Mais tu y a sais. Trop de bruit dans ce parage-là. Oh, c'est comme ça la vie. Moi je t'avais dit d'aller de l'autre côté là-bas, bon, tu dis de venir. Mais on est quand même dans un quartier populaire, hein, donc. Il y a trop de bruit. On fait avec. Bon, d'accord, tu sais, moi j'ai besoin de reposer mon cerveau. Bon. Viens, garçon. On prend quelque chose, hein. Mon petit. Voilà. Ça c'est une journée très pénible. Bonjour. Ah, comment ça va? Tu fais comme d'habitude, hein? Ça marche bien ici. Fais vite parce qu'on ne va pas durer ici. On n'a pas le temps. Non. On n'a pas le temps. Il faut qu'on dégage. Ouais. On dégage. Ah oui. Fais un peu plus vite là, s'il te plaît.
Alors comment on fait? C'est toi qui attaques? Hein? C'est toi qui attaques? C'est moi qui attaque. Non, tu dois pas attaquer. Si, c'est moi. C'est moi qui attaque. Attends. Ah oui, vas-y. Voilà, un petit coup. Ok. C'est moi qui prends ça. Non, laisse-moi. C'est moi qui prends. Mais tu sais, aujourd'hui, je n'ai rien eu toute la journée. Bon. Je sais pas pourquoi tu es gourmand comme ça. C'est toi le gourmand. La dernière fois, c'était toi. Aujourd'hui, laisse-moi. Une belle fille comme ça, elle te ressemble pas. C'est moi. Non, là, non, là, tu ne te laisses pas dire ça. T'en prie. Bon, non. Passe. Pas non, non. Passe. Passe. Good morning. Good morning, sister. Yeah. Yes. How are you? I want fine, fine. Yeah, I'm fine. You now. Nene, how are you? Yes. I know you are. How are you? Yes. You come from your very cool people. Yeah. Exercise. Exercise. Bro. Yeah. Yes. W. Sister W. Yes. Yeah. Your English, Dutch, English, Dutch. You man. You American man. Yeah. Yeah. Yes. You know. Yeah. You, je travaille avec l'ambassade. Yes, 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 yes. You are très joli. Oh, yeah. Alors, me accompagne my friend. Yeah. You are MU. You are MU. Alors, you are accepté lui. Love you, love you. Yes. Love you, yo, love you. Yes. So, in America, yes. I am an apartment. Yes. So, you I'm are conseillers, ambassadors, honors. Voilà, honest. Yes, yeah. You are come from, you are America. Yeah, but in semen, one semen. One semen. You know, one semen. I'm still here. Yes. So you are very, very belle, beautiful. Yes. Beautiful girl. Yes. So I'm, lem you. Yes, my thing are you go. Yes. So, yes. You can see, parler un peu. Oui, you are dit quoi? Ouais, you are dit quelque chose. Yeah, parce que lui a, il aime you. Excuse me, my French is very you are très joli, you are très joli. You are, très joli. You are beau avec moi. Vous avez fini? Yes. Est-ce que vous savez à qui vous parlez? Yes. Et vous savez à qui vous parlez? Yes, à une jolie fille. Moi, je suis un procès d'anglais. Moi. Tout ce que vous racontez là, c'est des boubas. De n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Non. Vous êtes quoi? Professeur d'anglais? Je suis professeur d'anglais, moi. Hein? Vous venez là, vous débarquez, vous me racontez n'importe quoi. Non, my sister, you can. Hey, écoutez votre anglais, là. Arrêtez ça. Hein? Ça me dit quoi ça? Deméo, c'est pas la peine de discuter. On nous a attrapé déjà, c'est pas la peine. Toi même, moi, je t'ai dit, quand tu vois les filles comme ça, là. C'est pas la peine d'attaquer. Donc tu veux dire que tu comprends pas anglais? Moi je comprends. Est-ce que moi je t'ai dit que je comprends anglais? Bon, dégagez. Non, attends, moi je suis avec toi. Hein. Je suis avec toi. Moi je n'avais pas envie même de venir ici. Nous on est venus pour prendre notre petite chose. Écoutez, s'il vous plaît, votre petite fille que vous cherchez dans les bars et autres là, ce n'est pas moi. Regardez bien les visages. Moi-même, vous avez compris? Je sais ça. Mais si. J'ai dit ça à Deméo, j'ai dit ça là. Faut regarder la figure avant de faire. Non, la vérité c'est que moi je viens d'arriver. Oh, ça il n'y a va. Pas longtemps. C'est faux. Tu viens nulle part. Tu es ici. Toi tu es ici. Regardez. C'est pas ici toi. Moi je sais même pas pourquoi tu es l'ami des gens. Quelle amitié? Moi, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Bah, puis je viens. Non, moi j'ai compris pour toi. Moi, je n'ai rien fait dedans. Hein. Bon, d'accord, allez-y. Moi, je n'ai rien fait dedans. Écoute, ma chérie, j'ai dit. Non, elle ne me touche pas. Ça, tu dis quoi ça? Depuis que je suis ta chérie, tu me connais? Attends, j'ai tout parlé. Est-ce que tu sais ce que je vais te dire? Bon, allez-y. Oh! Ah, c'est toi. Bon. Je t'ai même pas reconnu, hein. Mais je t'ai même pas reconnu. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Attends, ça là, c'est une vraie cravate. Ça là, ça c'est velours anglais. C'est ma veste, ça, là, non? Ça c'est la vraie veste. Mais ça, on parle moi là. Attends, quand tu portes ça là, on te respecte, hein. C'est ma veste, non? Hein? Je vais pisser. C'est ma veste, non? Ça là. Ça fait 5 jours que tu ne rentres pas à la maison. Ah, non, ça c'est... Où tu dois maintenant? Moi. Je n'aime pas ça, Hugo. Ah, d'accord. Hein? D'accord, non, je m'en... Mais où sont les autres? Les autres quoi? Les autres vestes. Les autres vestes là. Mais c'est ma cravate. Veste, ouais, ça là.
Ça, c'est la cravate. Ça, c'est, ouais, où sont les autres? Ça, c'est du rouge. Je dis, où sont les autres? Est-ce que c'est moi qui ai pris? C'est Deméo qui a pris. Qui est Deméo là? Deméo. Ouais. C'est mon ami là. Ton ami? Ouais, c'est lui qui a pris. Où il est? Il est ici. Allons, on va le voir. Mais c'est pas possible, Siriki. Je t'ai mis à l'école. Tu n'as rien foutu. Rien de bon. Et voilà, rien. Dans la situation de mes mecs. Cinq baisses. Où sont les autres? Hein? Où sont les autres? Siriki. Enlève-moi mon pantalon. Enlève-moi ça. Dépêche-toi. Excusez-moi, madame, je n'ai pas affaire à vous. Vous savez qui je suis? Mais est-ce que vous savez ce que moi je suis? Regarde ces enfants-là. Hein? Ils m'envoient de ma veste. Hein? Disons, mes vestes. C'est mon ami. En plus, ce sont des voleurs. Mon beau, à moi. Le petit frère à ma femme. Regardez, ça, c'est à moi. Ils viennent me raconter des charabiens ici. C'est lui. Regardez-moi tout ça. Tu vendais du charbon. Ah bon? Non, il vendait du charbon. Tu voulais apprendre un métier. Je t'ai confié un ami qui vendait du charbon. Tu n'as rien foutu. Tu dis c'est le bois que tu veux casser. Voilà, je t'ai envoyé là-bas. Et tu n'as absolument rien foutu. Ça veut dire quoi ça, Siriki? Madame, ça va. Enlève-moi ça. Ce sont des charbonniers. Eh bien, on est charbonniers. Moi, je suis pas charbonnier. Vous êtes des charbonniers. Enlève-moi ça. Siriki, mais. Regardez-moi ça, c'est ma C'est ma culotte, ça là c'est ma culotte. Ça va, ça je cours. Enlève-moi ça. C'est pas possible. Tu m'as tué. Ma chaussure. C'est pas vrai, c'est qui tu m'as tué. Ma propre chaussure. Enlève ma chaussure. C'est qui? Ma ceinture. Tu veux faire ça? Mais c'est lui qui a. Tu devais le rat de la maison maintenant. Quand les chaussures se pètent. C'est Siriki. Attends, je vais enlever. Je vais enlever quoi? Il n'y a rien en bas. Quoi? Il n'y a rien en bas. On va voir s'il n'y a rien en bas. Ma grande soeur à la maison. Mais c'est pas vrai ça. Ah, tu sais que ta grande soeur à la maison. Et tu ne rentres pas. Enlève le pantalon. Hein? Non, il n'y a rien. Enlève le pantalon. Il n'y a rien en bas. Il y a quoi en bas? Il n'y a rien en bas. Il y a quoi? Il n'y a pas Siriki. Pardon. Tonton, vous n'allez pas nous faire ça. C'est Siriki qui a envoyé tout ça. Comment mon choc, j'ai pas. Donne-lui sa cravate, tout ça, donne-lui. Bébé. J'avais raison. Hein? Siriki, c'est pas l'homme à suivre. Prends tout. C'est la première fois que je vois des choses comme ça. Donne-lui. Mais c'est pas vrai. On va à la police. Allons-y. Regardez-moi des gens comme ça. Transbordant sur les faits loups de l'histoire, les pauvres.